Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Cette année j'avais le brevet, du coup il fallait que je me concentre sur autre chose. Maintenant que c'est terminé, je vais pouvoir reprendre. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo. Je dessine tout ce que mes potes veulent. C'est parti. Bon, là, comme vous pouvez le voir, il est presque 10h. Je pense donc que c'est le moment de vous expliquer le concept de cette vidéo. Je leur ai envoyé un message chacune, et après avoir reçu les réponses ou pas, je vais enfin pouvoir aller manger parce que j'ai super faim. Alors selon vous, céréales avant ou après le lait? Je vais donc commencer par dessiner Flash McQueen parce que je préfère démarrer doucement, on va dire. Par contre, j'ai jamais dessiné de voiture, donc j'espère que le résultat à la fin ressemblera à Flash McQueen, mais ça sera à vous de me le dire. Bon bah j'ai fini l'ancrage, je vais donc passer à la colo, mais honnêtement je sais pas du tout comment je vais m'y prendre, surtout que sans modèle ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, le premier dessin est terminé, j'espère que vous le validez. Moi, je trouve pas ça terrible, mais on va dire que c'était le dessin d'échauffement, et donc on va passer au prochain dessin qui sera Zoro. Pour le deuxième dessin, je me suis dit que j'allais changer de format, et donc je suis partie sur un format marque-page, donc tout en longueur et assez étroit. J'espère que ça rendra bien, mais à mon avis, ça devrait rendre quelque chose de plutôt pas mal. Maintenant que la feuille est découpée, je vais pouvoir commencer le croquis. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par tracer des lignes de construction qui va me permettre de savoir où poser exactement chaque chose. Sachant que je dessine pas sur un format dont j'ai l'habitude de dessiner, j'ai vraiment préféré faire ça et je vous conseille de le faire pour tous vos dessins. Ça vous évite de pas savoir par où commencer. Bon bah le croquis je le trouve plutôt sympa, donc je vais passer à l'ancrage. Bon bah l'ancrage ça a été relativement vite, donc on va déjà bientôt passer à la coloration, et pour moi je pense que ce sera la partie la plus intéressante à faire. On passe maintenant au troisième et dernier dessin qui sera Gojo. Donc c'est un personnage que j'aime plutôt bien, il a l'air super sympa à dessiner, donc c'est parti.
le croquis est déjà terminé, on passe tout de suite à l'ancrage. So bright when it burns, so dark when it's done. So hard to relate to one when I find myself tripping off that blunt. Tripping off this blunt, so I might be blunt if I do confront you. Don't run, no way. Don't run from the black hole sun. I just picked a new bitch up in a Volvo truck. Say she never seen LA. I put her on a plane. She's so in love. Le dessin est presque terminé, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve plutôt sympa. Je rajoute un petit peu de lumière avec le feutre blanc, ça va rajouter un petit peu de relief au dessin, enfin en tout cas je préfère. Et puis ensuite je vous laisse avec le résultat. Cause you've been on mine, let me cross that line. Like what you saying, girl, you fine. You can smoke my blunt, you can roll my dime. I think we should waste some time working hard to find. We can cross that line. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires le dessin que vous avez préféré. En plus de ça, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. No, don't run from the black hole sign.